Bonjour. Pouvez-vous vous présenter au téléspectateur? Je m'appelle Amadou Gakou. Je suis né le 25 mars 1940 à Dakar. Ancien athlète du Sénégal et ancien, jusqu'à présent, recordman du Sénégal du 400 mètres depuis 68. Ça va se fêter les cinquantenaires de mon record le 20 octobre 2018. Cet instant, je crois qu'en 1965, lors des Jeux africains de Brazzaville, les premiers Jeux africains de Brazzaville, que étant finaliste aux 400 mètres, j'étais troisième derrière un Ghanéen et un Ougandais. J'étais troisième. Mais en contrepartie, c'était du cendré. Alors, si bien que, c'était du temps de l'OCAM. Les officiels m'appelaient l'OCAM couloir 1. Du fait que le couloir était vraiment labouré, j'ai pu quand même me décarcasser pour arriver en troisième position. Mais en contrepartie, lorsque vous devez faire le 4x4, en finale,
mon coach qui disait qu'il faut que les gens là, tu les rencontres encore davantage parce que eux, avec leurs équipes, ils devaient faire le départ du 4x4. C'est fort de cela, quand même, j'ai pris ma revanche pour quand même les donner 10 mètres parce que j'avais un bon couloir, un couloir 4. Alors, si bien qu'on a rapporté la médaille d'or avec l'équipe du Sénégal 4x400 mètres. Génération après, parce que pour la petite histoire, en 1968, en série, quart de finale, demi-finale, finale, à chaque arrivée, j'étais dans les pommes. Vous me direz quel est le Sénégalais qui tombe dans les pommes et qui recommence cet effort. C'était avec l'effet de l'altitude, à 2000 mètres, 200 mètres d'altitude, à chaque fois, j'étais au bout de mes efforts. Il fallait, dès le départ, hein, j'avais pas de tactique. Hein. À chaque fois, je reculais les limites de la fatigue. Ce qui m'a amené à faire le maximum de moi-même. Je me suis donné à 100%. C'est fort de cela. Les gens me posaient la question de savoir, tu veux mourir sur ce terrain? Je vais dire, non, c'est le Sénégal qui m'importe. Parce que je suis avec le maillot du Sénégal. Et vous aviez un coach derrière dans les préparations. Voilà, lors de notre préparation. Les préparations, ça fait dans l'ordre de 2 mois et demi, 3 mois en France. Bon, d'habitude, on se préparait ici. Le travail hivernal, le travail foncé, ça se faisait ici à Dakar, entre Cambérien et Yoff. Oui, il y avait l'équipe du 4x4, deux sauteurs en longueur et un triple sauteur. Alors, si bien que j'étais boursier de la coopération française, arrivé à Paris, j'avais une rage de dents. Alors, c'est pour cela qu'ils m'ont ôté cette bourse. On l'appelait bourse A, bourse B. Bon, bourse A, c'était dans les chambres individuelles à Boulogne. Le bourse B, c'était le peuple, on disait, dans les dortoirs. Alors, j'avais une rage dedans. Ils m'ont ôté cette bourse. C'est fort de cela que j'ai dit, quand je serai guéri, je ferai de mon mieux. C'est pour cela que, quand même, ils m'ont vraiment mis dans le bain. Ouais, non, c'était un peu frustré. C'est pour cela. Mais même au centre d'entraînement, il y avait les Français qui étaient là-bas. À chaque fois, j'étais avec Colette Besson, qui faisait les 400 mètres. Elle aussi, son entraîneur était indexé. Bon, elle ne vivait pas au centre d'hébergement. Elle était dans des campings pour pouvoir s'entraîner. D'abord, quand elle a eu la médaille d'or, elle se moquait des autres là. Bon, moi, une fois arrivé au centre d'entraînement, j'ai faisais des tests. Alors, les gens disaient que bon, j'ai pas fait 300 mètres. J'ai pas fait 400 mètres, j'ai fait 300 mètres parce que j'avais battu mon record personnel avec 46 secondes, 6 centièmes. Je pense que c'est un tout, hein, parce que le travail foncé, on le faisait à Dakar. Quand on est, par exemple, boursier, on s'en va en Europe pour faire des compétitions avec des gens qui sont, par exemple, du même niveau que nous. Maintenant, les gens, il y avait du cendré. Maintenant, c'est avec le tartan, avec tout. C'est un arsenal de valeur, parce qu'il y avait les chaussures pointes,
On avait des engrillards, comme on disait engrillards. Il n'y avait pas d'Adidas. Bon, c'était un peu lourd, mais maintenant, on a perfectionné le matériel. Les gens n'arrivent pas quand même. Mais je pense que, dans mon humble avis, au niveau de la préparation, il y a problème. Au niveau de l'encadrement, il y a problème. C'est pour cela que actuellement, si vous pensez que la Fédération sénégalaise d'athlétisme, avant, c'était des minimums pour aller participer aux Jeux Olympiques depuis notre temps. Après, bon, dixième génération, les gens ne fassent plus des minimums. Alors, vous pouvez imaginer qu'on invite des Sénégalais pour aller aux Jeux Olympiques. Il y a des minimums pour aller aux Jeux Olympiques. On l'imposait. Maintenant, on nous balance, par exemple, deux ou trois invités. Les gens ne peuvent même pas passer au premier tour. Il y a cas. C'est à eux de réfléchir. Moi, dans son temps, je disais que les gens là, devaient revoir de fond en comble. Vous avez eu à proposer aux fédérations de les accompagner? Non, il ne faut pas. Moi, pour la petite histoire, le ministère, à quelques années, ils m'avaient coopté pour rentrer dans le comité directeur de la fédération. Ils m'ont enlevé. Oui. Ils m'ont enlevé parce que, bon, à chaque fois qu'on allait en regroupement en France, bon, les gens, j'étais plus populaire que l'entraîneur, j'étais plus populaire que les gens-là. Alors, ils se sont dit, par exemple, que ce gars-là, si vous le laissez comme ça, on aura des nuisances. Pour la petite histoire, une fois, on a été à l'Institut national du sport. Le directeur de l'Institut était un franco-sénégalais parce qu'il était conseiller technique et la prémature du nom de Malais. Alors, quand il m'a vu, il dit, bon, de toute façon, vous êtes sénégalais, de toute façon, vous serez les bienvenus. Alors, le Sénégal n'avait pas payé le partage, que l'hébergement, tout ce qui s'en suit. Bon, les autres nations nous disaient qu'on vous fait crédit parce qu'il y a Gakou, ceci, cela. Quand ils ont régularisé le problème, bon, les gens sont venus pour vous dire, bon, on te remercie. Voilà l'histoire. Alors, si bien que à chaque fois, tu t'accompagnes avec eux, tu leur portes ombre, dans ce cas-là, ouais, ils font tout pour t'écarter. Et vous avez été décoré par l'État, du temps de Senghor, soyez honoré, vous qui avez honoré la nation. J'étais chevalier dans l'ordre de mérite, officier de l'ordre de mérite. Le HIC, je ne sais pas, en 2014 ou 2015, j'ai été décoré par officier de l'ordre de mérite. Or, en 1968, quand je suis revenu des Jeux Olympiques, j'étais décoré par le président de la République, chevalier, officier de l'ordre du mérite. Je lui ai dit, mais vous m'avez décoré officier de l'ordre du mérite, vous recommencez la même chose. Ils m'ont dit, il faut apporter les preuves. Je les ai apporté les preuves. Jusqu'à présent, il y a silence radio. Il y a cas. Parce que, bon, pour la petite histoire, ils disaient que, bon, dans notre registre, il y a un Gakou, c'est écrit avec C. Mais je leur ai montré le diplôme et puis le décret qui m'a nommé comme officier. Bon, ils n'en revenaient pas. Alors, ils me disaient, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ce n'est pas à moi de répondre. Je leur ai dit, c'est vous d'assumer votre responsabilité. Jusqu'à présent, rien. En 68, officier. Et puis en 2014, ils me mettent la même chose. Je n'ai rien dit jusqu'à présent. Samedi seront célébrés vos journées. Comment ça va se passer? Bon, il y aura deux panels. Par exemple, Tiam Papagolo et Lamine Tiam, qui ont fait leur temps dans le sport sénégalais, africain et mondial. Ces thèmes-là, de toute façon, c'est le chef de projet, Souris Sangré, il va vous en parler. Le deuxième thème, c'est Amadou Gakou, quel phénomène. Ce sera traité par le docteur Lamine Tiam, qui était directeur de l'INSEP de Dakar. Oui. Non, c'est au stade Ibrahima Diop.
c'est-à-dire de la conférence débute à 10h, 10h30, 11h30, et puis il y a le déjeuner. Et ensuite, à 15h, ce sera le 400 mètres à gogo. Nous, on a ciblé la petite catégorie pour voir quand même qu'elle faut. Vous verrez si vous serez sur place. Vous verrez qu'un 400 mètres, nous, on l'appelle Kabagi. C'est-à-dire un tour. Mais quand même, c'est très bien fatigant. Je vous remercie davantage dans ma carrière pour la petite histoire. J'avais participé à la rencontre entre le Sénégal, les pays limitrophes, Kédougou, au Kenyaba, au Mali, et Mali en Guinée, la rencontre tripartite. Ah, pour la petite histoire, j'avais trouvé un terrain vague où il y avait les chevaux, les bétails. Alors c'est avec les main d'œuvre pénale que j'ai construit un terrain de football, une piste d'athlétisme de 350 mètres et dirigé quand même. Quand on m'avait amené là-bas, je pense que j'avais un chrono, un décapage. Je ne me retrouvais pas. Hein. Je pensais que j'allais quand même encadrer les jeunes pour la rencontre partie. C'était tout l'inverse. Pour la petite histoire, j'ai été voir un commerçant. Il m'a présenté une chaîne d'arpenteurs. Je voulais un hectomètre. C'est fort de cela que j'ai construit un terrain de football, des pistes d'athlétisme et des terrains de handball, basket. Voilà la petite histoire. Merci. Merci. Je vous remercie grandement. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Souris Sangaré. Je suis membre de l'association des anciens et anciennes athlètes du Sénégal, dont Amadou, dont on porte le témoignage aujourd'hui, est membre aussi. Et je suis le coordonnateur de la journée qui est à sa 7e édition qu'on va organiser le samedi 20 octobre 2018 au stade Ibomar. Bah, c'est vraiment facile de parler de Amadou parce que les qualificatifs ne manquent pas. Mais je vous dirai une chose, que nous, en tant que membres d'une association, ce que nous retenons de lui, c'est un homme qui s'oublie à la place des préoccupations des autres. Pour preuve, par exemple, il est le parrain de cette journée, mais depuis le début de cette aventure, il m'accompagne partout et également les bailleurs, il les appelle à son propre téléphone et également il se met vraiment en quatre pour satisfaire l'autre sur le plan social, sur le plan également de l'encadrement des jeunes. J'ai découvert cette année-ci quand on avait une émission au niveau de Rufisque, que sa présence au niveau de Rufisque avait suffisamment aidé les jeunes là-bas à se faire. Il les a fait aimer l'athlétisme d'abord et au très sélectif concours de l'INSEP formant des professeurs, il a présenté 8 athlètes. Et ces 8 athlètes, de ces 8 athlètes, 7 sont sortis avec un diplôme à la main. Donc, il a fait de Rufisque un hub maintenant de haut cadre sportif. Et je dirais également que d'après ses amis, comme Mamoudou Sarr, qui est notre capitaine Mamoudou Sarr, qui est le président de notre section, qu'il a fait un séjour. Et d'ailleurs, il m'a donné la lettre que Feu François Bob a fait écrire à son inspecteur régional, une lettre de félicitations parce qu'il l'avait amené à Kédougou pour en fait faire ce qu'on appelle, je vais vous lire la lettre,
c'est pas une lettre trop longue. Je vous transmets avec plaisir la lettre par laquelle Monsieur le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport vous adresse ses félicitations à l'occasion de la rencontre tripartite de Kédougou, réunissant le Mali, la Guinée et le Sénégal. Donc, ça, c'était une mission. Et il est allé là-bas, il a trouvé par exemple des terrains en friche. Et de ces terrains en friche, il fallait qu'il règle une piste d'athlétisme. Et avec pour seule arme, un hectomètre. Et ensuite, il va organiser ces enfants-là au niveau du Sénégal, à Kédougou, au niveau de la Guinée et du Mali. C'est dommage que cette expérience n'a pas été poursuivie par les autorités locales, mais ça aurait été une amorce vraiment du développement de l'athlétisme au niveau de ces régions-là qui sont très reculées. Donc, je dirais aussi que, par exemple, c'est un homme qui vraiment nous aide beaucoup au niveau de l'association parce que, il ne lésine pas sur les efforts et un homme qui compatit à tout. Par exemple, toutes les fonctions sociales, il y est présent et souvent la main dans la poche et également une présence assidue. Et je crois que vraiment parler de l'homme n'est pas une chose difficile du tout. Voilà, l'athlète en tant que tel a vraiment encadré des jeunes, notamment des filles. Par exemple, on peut parler de Madame Diaye, Julie-Marie Gomis, qui a été la première olympienne du Sénégal, qui l'a entraînée. Et également, par intermittence, on peut citer par exemple Mariam Boy, qui l'a eu à encadrer indirectement. Parce que il faisait partie des staffs dans l'ombre qui l'aidaient beaucoup. Et aussi son passage au niveau de l'Ice Police, il a pu également vraiment entraîner beaucoup de grands talents comme Abdaï Sarr au 110 mètres et ainsi que Momandao qui a été pendant plusieurs années champion du Sénégal au 100 et au 200. Ce qui est déplorable, c'est que on ne pouvait pas trouver un oiseau rare, aussi rare que lui, pour essayer de pulvériser son record, qui est actuellement vraiment, qui est vieux de 50 ans. C'est le seul dommage. Mais je crois que peut-être. De toute façon, moi, je vais vous renvoyer, par exemple, à nos deux conférences. Parce que il y a l'une des conférences. Les gens vont se pencher sur la question. En faisant une analyse, par exemple, Amadou est-il un épiphénomène ou bien est-ce que c'est un exploit qui est reproductible? On ne sait pas. Mais j'ai bon espoir parce que quand même, vu la performance d'Amadou Diaba, je crois que c'est possible. Parce que lui aussi, il a fait un temps extraordinaire au saut d'obstacle au 400 mètres. Donc pour ce temps-là, 47, si vous le traduisez en course plat, je crois qu'il y a des dispositions. Il y a vraiment des chances. Il y a vraiment des chances. L'anecdote, je vais l'emprunter de l'histoire qu'il a eue à. Par exemple, à la finale de 1968, paraît-il que Amadou a fait ses trois courses où il est sorti les deux premières, il est sorti premier. Mais chaque fois, il rentrait et puis il était en syncope. Alors, son ami de toujours, le capitaine Sarr, une fois, l'a réveillé en mentionnant sur sa chaussure le temps qu'il a établi. Il dit, « Ah, je vous dis, ça y est, c'est fini. » Alors, je crois que... parce qu'il n'est pas de mon époque, il est beaucoup plus âgé que moi, mais je crois que... Il est bon de se rappeler ces temps-là parce que il ne faut pas oublier que c'est le premier Sénégalais à avoir inscrit dans l'histoire post-indépendance la première page de l'histoire de notre pays en matière d'olympisme. Parce que c'est le premier finaliste olympique du Sénégal. Il y a eu des Sénégalais,
mais il était sous d'autres bannières, comme par exemple Abdou Sey, qui était français. Mais c'est lui le premier. Voilà, donc pour l'histoire, je crois que l'histoire retiendra, comme on le dit souvent, l'histoire retiendra. Et nous, c'est la raison pour laquelle nous voulons perpétuer, par exemple, bon, ces journées-là, bon, pour que les gens sachent que bon, dans l'histoire, c'est le premier Sénégalais post-indépendance qui a vraiment été finaliste aux Jeux Olympiques. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Vous êtes son frère aussi? Oui, je suis son frère. Frère et athlète aussi, 400. Je suis athlète aussi. 4, 3, 2, 1. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je vais vous présenter. Je m'appelle Chérif Kaba Gakou. Je m'appelle Chérif Kaba Gakou. Je suis frère de Amadou Gakou. Comment est monsieur Amadou Gakou? Oui, de l'homme. C'est quand même un grand frère. Où on est ravi d'être son petit frère. C'est une personne très humble. C'est une personne très généreuse. Et c'est une personne très engagée, qui a le sens de la famille. Et c'est une personne aussi qui respecte la hiérarchie. Ma sœur qui est à côté de moi, c'est sa grande sœur. Moi, je suis le petit frère. Mais il a le même comportement, il a le respect des grandes sœurs et le respect des petits frères. Vraiment, je dis que c'est une personne bien. On n'a pas honte de dire que c'est notre grand frère. Vous êtes vous-même athlète du 400 mètres? Oui, j'étais. Pensez-vous qu'il aurait mérité davantage que le du mérite? Oui. Je pense que la nation ne lui a pas rendu l'hommage qui est à sa dimension, je pense. Parce que je crois qu'ils n'ont pas compris ce qu'il représentait pour la jeunesse, pour le Sénégal, en son temps, pour pour la performance qu'il a donnée au Sénégal. Les gens ne l'ont pas assez plébiscité, ne l'ont pas assez récompensé. Une anecdote. Si actuellement le gouvernement se permet de se tromper sur la décoration alors qu'il l'a eu depuis le temps de Senghor, ça veut dire que les gens n'ont pas eu assez de considération sur lui. Quand on l'appelle il y a un an pour lui donner une décoration qu'il a eu depuis le temps de Senghor, c'est parce que les gens n'ont rien compris. Et c'est dommage, parce que c'est un repère. C'est un exemple, c'est vraiment une fierté pour le Sénégal. Du temps où il battait le record du Sénégal, il était sans moyens, il était sans encadrement, il y allait de sa force. Et il a fait une performance en ce temps qui équivaut à une médaille olympique. Que préconisez-vous que l'on fasse dans les années à venir pour le faire connaître davantage au niveau de la jeunesse? Mais il faut vraiment qu'ils prennent en charge, oui, que l'État s'implique un peu sur les journées Amadou Gakou, fasse des symposiums, fasse des forums, pour qu'on connaisse qui est Amadou Gakou. Parce que quelqu'un qui détient un record pendant 50 ans, un demi-siècle, on n'est pas certain encore d'être battu, qui a participé à tous les Jeux olympiques où il a été médaillé d'or du 400 et du 4x400, je pense que cette personne-là mérite d'être mis au devant de la jeunesse pour qu'on puisse avoir quand même des jeunes qui peuvent essayer de chatouiller un peu son record. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ah, defena ñu bari xam nañ ko. Waaw. Amna yar, amna teggi. Déggal na wajuram bëgg na ay mbokam yaatu na waaw
xamal na ko lol de ak l'islam ak jamouré ak gattalam ni am nga man nak dama ki dal xamatuma dara dal xel mi da fay dem ak dik amna juroom ñett fukki at defena né nañu ak ñett waaw xam nga kon